sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on va vous parler d'un portable qu'on a déjà testé, mais on a la nouvelle version. Alors, vous connaissez déjà le 780DXR de chez MSI. Aujourd'hui, on a le GT783. Donc, ça veut dire gros Sandy Bridge en quad-core avec Hyper Trading et aussi GTX 580M avec 2 Go de GDDR5. Voilà, c'est dit. Machine quand même à 2000€ en 17,3 pouces dalle mat. On fait le tour rapidement puisque c'est un produit qu'on connaît déjà. Au niveau des plastiques, on l'a déjà dit, très bonne qualité, très belle finition avec du lisse, de l'aspect aluminium et de l'aluminium sur le dessus avec un logo MSI qui s'illumine une fois qu'on met la machine en route. À l'avant, on a principalement les diodes d'activité, on en reviendra une fois qu'on aura ouvert la machine. Sur ce premier côté, on découvre la grille qui permettra d'aspirer l'air frais, les deux ports USB 3.0, le lecteur de carte, un port USB 2.0 et les sorties audio. À l'arrière maintenant, c'est aussi complet avec de nouveau une grille d'aération, un HDMI, un eSATA, une sortie VGA, un Ethernet 1000, le DC-in, le Kensington Lock, le petit aspect similaire pour jouer la carte de la symétrie. Et enfin, on termine de ce côté-là avec le lecteur optique, deux ports USB 2.0. On va passer sous la machine, on va se faire un petit plaisir. Pour les yeux, vous allez voir ça. On attrape pas la grande grille. On tire, on a déjà tout dévissé. Et on vous propose de découvrir un petit peu la partie hardware de cette machine. Avec ici, un disque dur 7200 tours de chez Western Digital en Scorpion Black 750 Go, qui marche plutôt très très bien. Ici on a tout ce qui est partie mémoire avec de la mémoire en PC 10600, donc DDR3, 12 Go au total. Ici le système de refroidissement avec son unique ventilateur, et là un petit 2670 QM à 2 Go 2, et ici une GTX 580M. On remarque qu'ici, on a un petit emplacement de libre pour, par exemple, rajouter un SSD et encore plus doper les performances de la machine. On va passer sous l'écran, rapidement. On va ouvrir tout ça pour que vous puissiez découvrir. Pour que vous puissiez découvrir et la dalle. Donc on va d'abord s'intéresser à la dalle. La dalle qui est de type mat, en Full HD. Avec une petite webcam, un encadrement légèrement brillant, la résolution 1920 par 1080, taille 17,3 pouces, on l'a déjà dit. Maintenant, on va descendre pour découvrir tout ce qui est la partie clavier touchpad, qui est absolument magnifique encore une fois. De l'aluminium ici, très beau traitement, un touchpad qui propose un bon glissé, on va dire, des clics super faciles à activer. Ici, le clavier, clavier chiclette, par SteelSeries, clairement un des meilleurs claviers chiclette qu'il y a actuellement sur le marché. C'est rigide, ça répond bien. Et ici, on a la partie audio avec le Dynaudio, toujours, on a vu le caisson de basse en dessous avec la petite grille grise. Très bon son, et ici, toutes les différentes touches tactiles, par exemple, pour ouvrir le lecteur de DVD, ou encore... basculer les écrans, activer le Bluetooth, le Wi-Fi, changer l'éclairage, activer le mode qui booste la ventilation, la touche de programmation et enfin les différents modes de fonctionnement de la dalle. On le répète au niveau de la configuration, donc Core i7-2670QM, GTX 580M 2 Go de GDDR5, dalle Full HD 17,3 pouces mat, 12 Go de DDR3, 750 Go de disque dur, bref, une machine qui, on le sait déjà puisqu'on l'a déjà benché, envoie carrément du gros lourd et des FPS à ne savoir qu'en faire. C'était le MSI GT783 sur Cocotte TV. On vous dit à bientôt pour d'autres vidéos de présentation.